On se lève et c'est le bordel. Ah, la nuit est presque. Allez, il doit rester encore quelques heures quand même. Je m'excuse, j'ai la voix qui est un peu enrouée. Ok, c'est un très mauvais début. Un très mauvais début, mais on s'est lancé. Donc voilà, je m'excuse. Donc, la dernière fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, plus ou moins en pleine forme. On va perdre le bonus. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on essaye de garder le bonus ou pas? Va falloir réfléchir avec ce son qui nous buzz dans les oreilles. Ce bonus, on va le perdre. C'est pas grave de le. Non, on sait pas. C'est pas important de le garder maintenant. Parce qu'on n'a pas assez de ressources. On n'a complètement pas assez de ressources. On peut pas rester. À 100% de. Enfin, toujours dans le positif. Oh mon dieu, ce bruit. On peut pas rester dans le positif tout le temps par rapport aux calories. Ça y est. C'est moi le son qui est très fort dans mon casque ou qu'est-ce qui se passe? On a pas énormément de massettes. Je dirais qu'il en reste une dizaine, pas plus. Que chaque fois, c'est deux tiges en fait. Oui, enfin, trois tiges. Donc, je dirais que c'est 10. Donc il va nous falloir de l'eau, on en a un peu de côté, ouais. Il va nous falloir des calories. Il va nous falloir des calories. Ça, on avait récupéré ça. Donc, ouais. Alors je pense qu'on va commencer déjà à crafter. Donc on va prendre ça. Pour l'arc, c'est quoi? C'est un boyau ou deux boyaux? Deux boyaux. Hop, hop. On va déjà commencer à crafter. Parce qu'on peut le faire vu que il y a l'aurore boréale, donc on en profite. Donc là c'est 9h, 6h50 au couteau. Donc 6h50. J'ai l'impression que ça a été baissé. Attends, elle le fait en une fois? Quoi? Intéressant. C'était pas comme ça avant. Attendez, comment ça se passe? Bien nourri, ok, c'est parti. Maintenant, il fait. L'aurore boréale s'est arrêtée, mais il va faire jour. En plus, il fait un temps de merde. Attendez, c'était pas comme ça avant. On est d'accord qu'on devait choisir le nombre d'heures, même quand on choisit des. Quand on fait des vêtements aussi. J'ai mis tellement de bordel sur l'établi que j'arrive plus à cliquer sur l'établi. Il n'y a pas de moyen de. Couteau improvisé, 3h40. Non, il n'y a pas de système pour. Ah tiens, on peut. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça aussi. De système pour choisir. C'est bizarre. Ça aussi, je pense que ça, c'est l'heure par défaut. Alors, on attend le temps que le jour se lève complètement, qu'on puisse crafter. Je pense que ça, c'est un timer par défaut, parce que le couteau de chasse, on l'a pas sur nous. Parce que normalement, le couteau de chasse et le couteau improvisé, c'est la même chose. Ça devrait être la même chose. On peut le faire maintenant ou pas? Ouais. C'est étrange. Je pensais que avant, on pouvait choisir le nombre d'heures qu'on passait, en fait, à crafter. Maintenant, on est obligé de le faire d'une fois. Quoique, dans un sens, ça sert à. C'est vrai que ça sert pas à grand-chose, qu'on peut faire. À annuler, on peut faire annuler et on peut juste annuler le craft, donc c'est pas très très important, mais bon, si on veut faire des heures précises, on va dire que c'est une option qu'ils nous ont enlevée, alors qu'il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de but d'enlever cette option là. Enfin bref, on a notre arc, ça y est, donc très bien, on a notre arc qui a été créé. J'ai pas vu si on avait pris de l'expérience pour l'arc, je crois que si, normalement oui. Ça, on va faire des fûts de flèches. Est-ce qu'on a un temps bien de merde ou pas? On va voir. Mais en tout cas, la dernière fois, on a quand même fait. On a un bon temps. On a un bon temps. Hop là. On a un très beau temps, quoique il fait froid. Bon bah, apparemment, j'ai parlé trop vite. J'aurais bien. Ah. Non, il fait trop froid. Non, c'est pas grave. On va rester à la maison. C'est pas grave. Non, parce que je serais bien allé à la tour, au final, et crafter plus tard. Enfin, le craft, c'est pas vraiment urgent, urgent, mais bon. J'aurais bien voulu aller à la tour. Alors, fût de flèche. Fût de flèche? Fût de flèche.
39 minutes. Ça a été baissé. Avant, c'était une heure, je crois. Et on pouvait jamais aller en dessous des une heure. Je suis quasiment sûr de ça. Ça a été changé. Hein. Ça a été changé. Ça, c'est mieux. Pour moi, c'est beaucoup plus court. Faudrait regarder les anciennes saisons. Mais pour moi, je crois que c'est beaucoup plus court maintenant. Et ce qui est bien, c'est que... du coup, on va... Fût de flèche 3. Oh, c'est 3 fût de flèche. Oui, non, c'est 3. Ce qui est bien, c'est que du coup, on reste pas beaucoup de temps à la maison. De l'eau, on doit plus en avoir. On a très peu. Ok. Alors, par contre, c'est les calories. Non, on a encore quelques massettes. Ouais, ça va, on va se débrouiller. On a encore quelques massettes. Ça, les plumes, je sais pas combien on en a. Enfin, combien il en faut à chaque fois. Je crois que c'est 3 plumes. Ouais, c'est 3 plumes. Là, on peut choisir. 1h50 pour la flèche. Ah, c'est peut-être que j'inverse alors. Ça a été grave augmenté ou c'est moi qui perds la tête? Ok, on a gagné. On a 26 kilos, on est un peu fatigué. Je pense que le temps s'est amélioré. On va sortir. On va sortir parce que j'ai pas envie de tout crafter maintenant. Donc on va faire ça. Le sac de couchage aussi. Au final, on l'a pas utilisé. On va faire gaffe au sac de couchage. Faudra le... On avait laissé les vêtements. On avait ça laissé en haut. Et les chaussures. Oui, on n'avait pas laissé tout ça. Alors on a une flèche de prête. Ça. Faut qu'on rafistole aussi nos vêtements. Le jean et le pull en laine. Après, bon. Ah oui, il faut qu'on récupère les faitous à l'arrière de la maison aussi. À la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est les laisser les vêtements comme ça, vu qu'on va pouvoir... Putain, je sais pas si dans un temps comme... Il fait gris, mais il fait soleil. Est-ce que ça marche? Non, c'est bien ce que je pense. Et ouais, l'eau, on l'avait même pas récupéré, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce passage-là. La dernière fois, en sautant d'un épisode à l'autre, j'ai oublié. On va laisser l'eau. Okay. Très bien. Ok. On a encore des massettes sur nous. Il faut en prendre des massettes. On va tout prendre, comme ça on sait combien on en aura. Là. Ok. Donc, massettes. 17, à peine 17, ouais. Ivan, on a que ça. Hein. Après, bon, on a de la bouffe, tout ça, là, qui est pas vraiment en très bon état. Donc, je voudrais pas taper dedans. Même ça, là. Attendez, d'abord, on va faire ça. Très bien. Ah, j'ai pas envie de trop taper là-dedans, pour au cas si on est malade. Mais je pense qu'on est bon, parce qu'on a de la tisane, il nous en reste encore un peu de tisane, on en a deux je crois, deux doses. Et on est en bonne santé, donc c'est pas la panique non plus. On va pas chasser. Le cerf est parti apparemment, le cerf est plus là, ça c'est bête ça. Parce que si le cerf était toujours là, enfin peut-être qu'il est un peu plus loin, faudrait faire plusieurs flèches. Parce qu'on n'a qu'une seule flèche, donc on va pas l'utiliser. Sauf si vraiment on doit se défendre. Et encore, non, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que si jamais on tire une flèche, il faut tuer la cible. Car si jamais on la tue pas d'une seule flèche, bah du coup, bah la cible va, va partir avec la flèche. Hein. On avait déjà parlé de ça. Donc j'ai pas vraiment envie de perdre des flèches bêtement comme ça.
Ah, il fait pas froid, c'est pour ça que je veux aller à la tour. On en profite un peu. Elle est juste là. Mais voilà, sinon ça s'est bien, vraiment bien passé la dernière fois. Ça s'est vraiment, vraiment bien passé. On a des lapins. On va essayer d'en récupérer, mais sur le retour. Assez content, assez fier. C'est vrai qu'on a fait énormément. Au final, j'avais un peu peur de... en fait, on s'est bien préparé, faut l'avouer. On s'est très bien préparé, parce que... la plupart du temps, on y va la première fois. Hein. Quand on n'a pas trop de vêtements, on a des ressources limitées et tout ça. on y va. Et on fait un couteau, une hachette. Quelques têtes de flèches et basta, et on se casse. Parce qu'on ne peut pas rester longtemps. Là, on a eu des problèmes avec les loups. Faut être honnête, on a eu vraiment des... je prends pas le chemin le plus facile, honnêtement. On a eu des gros problèmes avec les loups. mais on a pu... J'en étais sûr. Mais on a pu faire... on a des pansements, c'est pas grave. Mais on a pu faire tenir le feu extrêmement longtemps quand même. Et au final, on a créé deux couteaux, deux hachettes. Et 34, je crois, têtes de flèche. Donc honnêtement, on est super bien parti. Le seul problème qu'on a là, c'est que... Bah, c'est crafté. Tout simplement, c'est crafté. On va rester très longtemps à l'extérieur. On a combien de pierres? 7. On va rester très longtemps à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Donc on risque d'avoir le mal de l'enfermement. Je suis en train de réfléchir où on pourrait aller pour un établi à l'extérieur, mais je crois que sur cette zone, il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas sur cette zone. Ah, peut-être au barrage. Est-ce qu'il y aurait un établi à l'extérieur au barrage? Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'il y en ait. On prend. Okay, ça on prend. On va se soigner. Comme ça, on va pouvoir sprinter. Ok, très bien. Ça. Je sais pas. Oh, yes, ça c'est bien. Eh ben, ça c'est. Oh, c'est... Honnêtement, c'est une bonne trouvaille. Très bonne trouvaille. Parce qu'à chaque fois, faut penser que la pierre à aiguiser, c'est quoi? C'est vous pouvez réparer, je crois, un couteau en entier, ou alors c'est deux, ou alors un et demi, un truc comme ça, peut-être. Donc ça vaut vraiment le coup. Ce qu'on va faire, c'est ça. Ok, très bien. On n'a pas dessiné notre camp, faudrait dessiner notre camp. Oh putain, cette porte. Commence à faire du brouillard, on va rentrer. Après, on peut dormir ici, mais j'ai pas envie. Alors, quelque chose qu'on va possiblement faire aussi pour contrecarrer le mal de l'enfermement avec tous nos gros crafts, en fait, parce qu'on va faire toutes les flèches hein, qu'on a. Tant qu'on a des plumes, tant qu'on a le matériel, on fait les flèches. Hein. C'est débile de pas les faire. Surtout que. Ah, je conseille, évidemment. Parce que à chaque fois que vous. Y'a quoi là exactement? Descendre par là, on va peut-être pas le faire. À chaque fois que vous créez des flèches ou un arc, le deuxième arc aussi, il faudra le faire comme ça, il sera fait.
Vous allez gagner en expérience en fait pour l'arc. Donc. Ah oui. Ouais, d'accord. Et merde. Oh mince. Donc, le mieux c'est de commencer à tirer des flèches en fait quand vous avez une expérience élevée évidemment. Parce que si je me rappelle bien, on va pouvoir augmenter les dégâts. Les dégâts critiques, le saignement aussi, les cibles saignent plus. Je crois bien quand on tire des flèches. Ça c'est vraiment utile. Le saignement avec l'arc c'est vraiment très très utile. Parce que même si vous vous loupez, que vous mettez pas dans la tête, vous tirez une flèche, vous attendez, vous poursuivez la cible un peu et elle va se vider de son sang extrêmement vite et elle va mourir extrêmement vite. Donc ça devient extrêmement... pas punitif, l'inverse. Ça rend la chose beaucoup plus simple, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas vraiment besoin de faire un tir parfait, quoi. Donc voilà, il faut monter de niveau. Alors à chaque fois que je descends d'ici, je me perds un peu. Parce que je sais plus de quel côté est le... Les rails. Les rails, ça doit être là, parce qu'il y a le cadavre là-bas, je pense. Ouais, c'est ça, ok. Donc on va aller voir un peu sur, sur ce côté-là, pour les lapins. Et après on rentre. Et aussi je crois que le dernier niveau, parce qu'on peut pas tirer quand on est accroupi, on peut pas tirer à l'arc. Et je crois que le dernier niveau vous donne la possibilité de tirer accroupi. Donc vraiment vraiment cool. Vraiment sympa. Il fait pas froid. On va voir après pour le lapin. On va d'abord aller de ce côté-là. On va peut-être récupérer un peu de bois et tout ça. On va en profiter. On va en profiter pour se balader un peu. Faire ça aussi. Très bien. On est à combien de kilos? Ok, on dépasse les 30. Alors attendez, je voudrais pas trop tomber sur un loup. Enfin, tomber dessus, c'est pas le problème. J'ai pas envie qu'il me suive parce que sinon, du coup, on va pas pouvoir récupérer les lapins. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On n'a pas grand-chose de ce côté-là. Par des morceaux de bois. Après j'ai un peu peur d'aller là parce qu'on voit plus en fait en contrebas. Donc c'est possible qu'il y ait des loups. Derrière les arbres peut-être. Ok, on va retourner là-bas. On va récupérer les lapins. Et on rentre. Aussi, c'est con, hein, parce que ça fait un peu gâchis en fait. Parce qu'à chaque fois que vous utilisez la flèche, même si vous touchez pas la cible, qu'elle touche le sol, qu'elle tombe par terre, ça va abîmer la flèche. Donc en théorie, je vous dirais d'utiliser les flèches pour le gros gibier, c'est-à-dire... les cerfs, les loups, trucs comme ça. Mais à chaque fois que vous touchez une cible, ça vous fait de l'expérience au tir à l'arc. Donc, et le truc c'est que tuer un lapin à l'arc, en fait, une flèche, peu importe la tête, le corps, n'importe quoi, si vous touchez le lapin, il va mourir d'une flèche en fait.
Et ça fait de l'expérience. Donc, ouais. Utiliser l'arc sur les lapins, ça aide. Mais bon, après, c'est un peu chiant à viser, j'avoue. Faut un peu s'habituer. Vous voyez, on vient de gagner de l'expérience. Voilà, la flèche a perdu. Elle est à 73% maintenant. Mais bon, ça vaut le coup parce qu'à chaque fois c'est de l'expérience et là vous pouvez pas vous louper. Enfin, si vous vous loupez, bon la flèche elle est par terre. Et si vous touchez, bah, le truc meurt et vous gagnez de l'expérience. Alors que si vous le faites sur un cerf et que vous touchez le cerf mais vous le tuez pas, vous gagnez de l'expérience aussi évidemment, mais bah, le cerf il va partir avec votre flèche. Donc vous voyez, vous avez le risque de perdre la flèche. Donc oui, au final, faites tout aux flèches. Il faut augmenter cette expérience de tir à l'arc. Il faut vraiment l'augmenter parce qu'après ça va vous rendre la vie beaucoup beaucoup plus simple. En fait, c'est surtout plus simple quand vous pouvez plus one-shot les ennemis. Donc c'est-à-dire les ours et les élans. Les ours et les élans, ils s'en foutent que vous tirez dans la tête, bien sûr, ça fait plus de dégâts. Attendez. Bien sûr, ça fait plus de dégâts, mais ça va pas les tuer en une flèche. Donc ce que vous voulez, c'est c'est plus de dégâts sur les flèches, plus de dégâts saignement, comme j'ai dit. Donc voilà, il faut monter de niveau. Il faut absolument monter de niveau. Donc, on ira aussi faire un tour au... Excusez-moi, c'est vraiment désolé. J'essaierai de couper quand je tousse, pardon. On pourra aussi retourner vers la cabane du trappeur pour aller voir ce qu'il y a des lapins là-bas. Et donc on pourra aller se les faire peut-être. Ça fera pas mal d'expérience. Si on arrive à en toucher 2-3, ça serait vraiment vraiment cool. Et après, comme j'ai dit, les têtes de flèches ne s'abîment pas. Donc ça, c'est bien. On en a fait beaucoup parce que... si jamais on les perd en fait, c'est tout simplement ça. Mais ça s'abîme pas. Par contre les flèches, après si vous vous déplacez un peu comme moi, vous avez vu combien de... Vous avez vu combien de bois on a, et à chaque fois c'est quoi, c'est 2, non 3. C'est 3 fûts de flèches, c'est 3 fûts de flèches pour chaque morceau de bois. Donc vous avez, honnêtement vous avez complètement le taux de flèches suffisant pour monter de niveau. Pas besoin de faire très très attention à ça. On va refaire une flèche. Ouais, on va refaire une flèche. 1, 2, 3. Flèche simple. Avant qu'il fasse complètement nuit. Ok, très bien. Maintenant on va aller dormir. Enfin on va pas dormir directement, on va d'abord dépecer tout ça, notre lapin. Et après on dort. Elle commence à être très fatiguée. Donc là c'est beaucoup plus relax. Alors, la prochaine fois, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, où est-ce qu'on peut aller? Je dirais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dirais, comme j'avais dit, je pense que ça serait bien de d'aller chasser l'élan et voir un peu comment on s'en sort. Comme ça, on peut récupérer sa peau, faire un sac, etc. Je pense que ça serait une très bonne solution. Oh, on a ça aussi. On a deux lampes? On a trouvé deux lampes? Ah oui, on avait trouvé une lampe quand on est parti à la forge, je crois. Je crois, hein. Je m'en rappelle plus vraiment. Ok, très bien. Et on a encore... On a pas mal de viande, ça c'est bien. Faudrait la sortir, la mettre dehors, la viande. Est-ce qu'on voit rien?
Attendez. On va le faire, c'est pas grave, je vais me déplacer dans la nuit. Alors, la zone est pas très difficile. On se repère au... On se repère au... aux fenêtres. Voilà, très bien. Comme ça, ça... Ah oui, parce que de... Enfin, je sûrement dit... Vous avez compris. De mettre à l'extérieur, ça ralentit le pourrissement de la viande, en fait. Parce qu'il fait froid, évidemment. Ok, on est oubli. Du coup, on va dormir. Regarde un peu nos niveaux. Cuisine, on est à 2,5, ça c'est bien. On n'a plus grand chose à faire en cuisine, donc pour l'instant je pense qu'on va pas atteindre le niveau 3, enfin pas maintenant. Tir à l'arc, on est à ça, et on a fait que... On a quoi? On a tiré sur un lapin, et on a fait deux flèches, et c'est tout, donc ça c'est bien. Ouais, il va nous falloir... Il va falloir qu'on récupère de la nourriture. Parce que là, on a récupéré un lapin. Faut qu'on aille faire au moins... Deux flèches. Deux flèches de plus. Ou trois. Et faut aller chasser. Faut complètement aller chasser. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Ok, très bien. Sinon... sinon, je dirais... La pêche. On n'a pas de fil. Enfin, on peut créer le fil. Oups. Je dirais la pêche. Ça peut être une solution. Faut voir un peu comment le temps se comporte. C'est le truc, c'est que... aller pêcher... J'avais pas vu qu'il y avait un truc. Enfin si, peut-être que j'ai vu. Aller pêcher, ça va pas... Ça va peut-être pas... Ça va être un problème parce que... Attendez, on va prendre les lampes avec nous. Parce que... s'il fait froid, on peut pas rester à pêcher. Il faut faire du feu. Vous voyez? Et ça, ça risque d'être un problème. Parce qu'on n'a pas vraiment trop de choses. Ça... Voilà. Ok. Alors, on a combien de flèches? Je crois qu'on peut enlever les pierres, honnêtement. On a 4 flèches. On va sortir, on va voir un peu comment ça se passe. Ouais, j'ai un peu peur. Là, il faudrait... Honnêtement, ça serait bien que... Le cerf qui se baladait, là, chez nous. Oh, yes. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se mettre accroupi. Et on se lève et on tire la flèche. Ou alors, on la tire maintenant. Merde. Complète. Très, très nul. Très, très nul. Très, très mauvais. On va essayer de pousser le cerf vers chez nous, d'abord. Il y a une chose aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle va prendre... je crois que si vous récupérez la flèche avant qu'elle recharge l'arc, enfin recharger entre parenthèses, elle va utiliser la flèche qui a le moins de pourcentage, si je dis pas de bêtises.
Donc du coup, ça aide. Attendez, il va là. Le temps aide pas, le temps est pas vraiment de notre côté. Il est où? Il est là. Elle va avoir froid, elle va commencer à trembler. Aussi, si vous avez froid, si vous avez faim, si vous avez soif, etc., vous avez à voir votre visée qui va être de pierre en pierre. Surtout si vous avez froid, elle va trembler. On va lui faire encore peur et après il va revenir vers nous normalement. Où tu vas? Depuis quand tu pars aussi loin? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Non, on a froid et tout. Quoi. Faudrait qu'il s'arrête de bouger. Quelle merde. On va aller crafter une flèche. Ah, ça m'embête ça. On va aller crafter une flèche, le temps de se réchauffer. Qu'est-ce que ça m'énerve. Est-ce qu'on n'avait pas trop de choses sur nous? On a le bois. Le pire que vous pouvez faire, c'est louper en fait votre cible en continu. Et du coup, en fait, bah, vous allez abîmer les flèches. Oh non, il y a une tempête, t'es sérieux? C'est emmerdant ça. Ah, il doit être de ce côté-là. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire les flèches. On peut encore survivre quelques nuits sans manger. Enfin, sans récupérer à manger. On a encore des massettes et tout ça. On peut plus faire de flèches. Par contre, je voudrais jeter des choses. Genre les pierres, on va les jeter. Ça sert un peu à rien de garder les pierres maintenant. Non. Que le temps s'améliore. Ah bah voilà. Waouh. Il suffit de demander des fois. Il suffit de se plaindre. Dans la vie, des fois, se plaindre, hein, ça a des bons côtés. Ok, 0,91, on va prendre un loot sur nous. Bon. J'aurais pas dû louper mon tir. J'aurais vraiment pas dû louper mon tir. Ok, il fait beau en plus. Ok, là c'est vraiment le moment où on chasse. Alors sur le lac je vois rien. Ok, le cerf est là. On va essayer de l'attaquer de mon côté droit. Comme ça il va partir vers la cabane si jamais on le loupe. Honnêtement là ça serait bien de l'avoir parce que du coup il fait beau. Et on va pouvoir récupérer la viande directement. Parce que là on le dépose direct. Il m'a vu ou pas? Non, ça va. Aussi on va pouvoir découper le cerf. Si on le tue, je le montre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec?
très bien. On était trop près. Très mauvais, je suis très mauvais. Je sais pas ce que j'ai, mais... On va toucher. Ok, le problème c'est qu'il passe par des endroits inaccessibles. Ok, faut pas le perdre. Faut pas le perdre, lol, 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 lol. Faut suivre les traces de sang. Il est là. C'est bon, on l'a eu. On récupère les flèches, très bien. Il fait encore très bon. Si on récupère tout, c'est 4h, 1h40 au couteau. Mais ce qu'on peut faire, ce serait tout découper. Pendant, ça prend 1 heure. On va le faire à la scie, 73. Il faut une hachette ou un couteau, ok. Alors, si on prend ça, par exemple, là ça va faire 1h40 pour la viande. Si on prend la fourrure, ça va rajouter encore 1 heure. Si on prend les boyaux, ça va encore rajouter du temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Comme ça, c'est seulement une seule heure. Ce qui va se passer, c'est que on vient de complètement détruire en fait la carcasse. Donc on a récupéré les boyaux et la peau, elle est directement coupée. Et après, on a des sacs de viande. Alors on va rentrer. Alors les sacs de viande, je crois... On va se péter la cheville, on va se péter la cheville là, complètement. Si je dis pas de bêtises, les sacs de viande sont plus lourds que la viande qui est à l'intérieur. Faudra vérifier ça encore exactement. Mais là en fait en 1 heure on a déjà découpé en fait la fourrure et les boyaux, donc on a gagné du temps. Et après il va falloir comment ils disent ouvrir les sacs en fait, et ça va prendre du temps. On va montrer ça. Ça a été rajouté il y a bon maintenant sûrement plus d'un an dans une mise à jour, et c'est vraiment utile. C'est vraiment utile en fait contre les ours et les élans, parce qu'ils ont énormément de viande et énormément de choses sur eux. Donc du coup vous récupérez des sacs de nourriture. Par contre, une fois que vous récupérez les sacs de nourriture, en fait vous avez directement énormément de... vous avez 3 sur 3 je crois pour l'odorat. Donc c'est extrêmement dangereux évidemment. Extrêmement dangereux, donc on a ça et on a 2 boyaux en plus. Voilà, donc ça c'est très bien. Mais du coup vous pouvez tout en fait, vous pouvez faire des allers-retours, prendre un sac, revenir, prendre un deuxième sac, revenir. Est-ce qu'on peut faire du feu? Est-ce qu'on peut faire du feu avec... On peut faire du feu avec la loupe. Ok, on va prendre ça sur nous. Ça aussi. Par contre, les sacs de viande sont pas considérés comme si c'était de la viande qui était par terre. C'est pas considéré comme si c'était de la viande qui était par terre, donc ça veut dire qu'elle va se détériorer à une vitesse normale, enfin élevée quoi, comme toutes les viandes si vous la gardez sur vous, alors si vous la mettez dans un bâtiment. Donc ça c'est dangereux, c'est que les pourcentages en fait vont vite descendre, donc il va falloir ouvrir les sacs, et ça va prendre quelques heures par contre. Ça va prendre quelques heures. Donc on a récupéré ce qu'on a à l'intérieur. Attendez, faites voir un peu. On est déjà à 94%. Recycler. Ça dit pas combien de temps? Ah oui, non, c'est là, pardon. Vous voyez, ça va prendre du temps. En fait, d'ouvrir le sac. On peut aller plus vite après avec le couteau et tout ça, mais ça va prendre du temps.
On va faire au couteau. Juste pour ça, pour avoir deux steaks. Ah mon dieu, ce menu. Voilà. Mais au moins, vous pouvez vous déplacer avec le... avec directement les sacs, en fait. Il y a un loup juste là. C'est possible qu'il y ait un loup juste là. Donc voilà, en fait, vous pouvez prendre les sacs avec vous, faire des allers-retours et tout ça. Donc c'est bien, c'est utile, mais c'est vraiment utile si vous êtes loin du camp. Loin du camp. Là, je l'ai fait vraiment pour... on va dire pour montrer. Mais on n'avait pas vraiment besoin de le faire. On va prendre celui-là. On va récupérer de l'eau aussi parce que... elle va sûrement avoir soif. Ah oui, et le bois aussi. Ah, donc voilà, vous pouvez faire ça. C'est très utile, comme j'ai dit. Ouais, d'accord, le bois qu'on n'a pas. C'est très utile, voilà, si on est loin de... Loin du camp. Sinon, c'est pas extrêmement utile. 1h18, putain, c'est long. Même à la hachette. Très très long. Minutes. J'ai dit 14, c'est 40 minutes. Ouais. On a eu des bonnes tempêtes d'affilée. Donc le bois est un peu revenu, ça c'est bien, autour du camp. Même si c'est que des brindilles, à chaque fois ça nous aide quand même. Ça fait gagner pas mal de minutes, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc c'est pas mal d'avoir des petites tempêtes. Ok, 3 minutes, très bien. On va mettre ça après. Parfait. Parfait. Très bien. Ça, je sais pas combien de temps ça va durer. 30 minutes. 6 minutes. Faut tout faire un peu vite. Par contre... 0,4, on s'en fout. On le fera si vraiment on a le temps. Alors on va le faire au couteau, on va le faire au couteau pour aller plus vite. Ok. Tac. Tac. Ah, très bien. On a 0, on doit avoir... Ouais, 0,4, ok, celui-là aussi on s'en fout. On fait que des steaks de 1 kg pour le moment. 42 minutes, 50 minutes. On n'aurait pas dû mettre autant de... Non, c'est pas grave. J'espère que le vent va pas tourner. Si le vent tourne, j'ai fait tout ça pour rien. On va faire ça à la main. Ok, très bien. Ça, 45 minutes, 45 minutes, très bien. Ça, c'est combien? 0,78, ok, c'est parfait. J'ai tendance toujours à... à prendre seulement des steaks de 1 kg. Et le reste, on le fait si vraiment on doit le faire. Entre le vent, l'aurore boréale, c'est vraiment relou là. Il y a beaucoup de bruit en fait dans mes oreilles, j'essaye de me concentrer sur ce qu'on doit faire.
Ok. Donc on a tout fait, il nous reste encore une heure. Donc on va en profiter, on va faire ça à la main. Ça va nous monter aussi l'expérience. Quoique, non, même pas. Même pas. Bah, ça monte pas l'expérience aussi de faire ça. C'est un peu le mauvais côté de la chose. Je pense que on aurait pu gagner pas mal d'expérience en faisant seulement les... En faisant la chose normalement, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, là, on s'est mis à côté de du camp avec le feu, tranquille, et on est bien. Mais voilà, c'est comme ça, je le montre. Pour ceux qui savent pas vraiment, genre à quoi ça sert. Voilà, c'est ça, c'est que vous récupérez... Le truc qui est bien, aussi, c'est avec les... comme j'ai dit, c'est vraiment utile pour tout ce qui est élan. Élan et... ça c'est cru. Ok, c'est bon. Et ours, parce qu'ils ont énormément de boyaux aussi. Je crois qu'il y en a au moins 18 ou un truc comme ça. Donc, faire les boyaux normalement, ça vous prend des heures et des heures. C'est vraiment pas conseillé du tout. Du coup, là comme ça, ça vous aide énormément. Pour récupérer la peau et pour récupérer les boyaux très vite. Mais après, vous vous retrouvez avec... oh, vous avez vu la lumière que ça fait. La rouge. Mais après, c'est même pas la tour, c'est quoi là-bas? C'est quoi ça, les points rouges? Ah. Intéressant. Mais voilà, vous vous retrouvez... avec au moins une dizaine de sacs. Mais bon, au moins vous pouvez en prendre un et le prendre vers la maison ou faire ce que vous voulez. Bon, ben... Waouh. Ben, oui, non, ça s'est super bien passé. Super bien passé. On a récupéré un cerf, on a monté un peu de niveau. Tranquille. Très tranquille. Minutes. Vraiment bien. Une heure. 30 minutes. Vraiment, ouais non, vraiment extrêmement bien. Le feu va s'éteindre, c'est pas grave. Ça. Ah ouais, non, là c'est vraiment cool. Donnez-moi toute cette viande. Ah, c'est pour ça que le coup de faire un... De faire l'arc, ça aide, hein. Ça aide énormément, hein. Là, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Par contre, ce qu'on aurait pu faire aussi, comme j'ai... Là, comme j'ai dit, je l'ai juste montré, hein, la façon de découper le cerf. On aurait pu, comme j'avais dit plusieurs fois, c'est laisser... un peu de viande ou alors un boyau dessus. Comme ça, on aurait eu des corbeaux et on aurait eu des plumes. Parce qu'il nous faut des plumes. On a plus de plumes. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on ait des plumes. Donc, on va devoir aller chasser. Ou alors faire le tour des carcasses qui restent. Et essayer de récupérer des plumes. Mais il nous faut des plumes, absolument. Il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup plus de flèches. Je crois qu'il y en a une qui est déjà quasiment cassée. Voire deux, je vais voir un peu. 73, 40 edge a presque cassé. Donc il faut qu'on les finisse. Il faut qu'on en finisse. Fût de flèche 3, voilà.
Je vais voir si on peut pas réparer notre pull à l'extérieur. Il fait pas extrêmement froid. Ok. C'est bon, ça a marché. Je voulais faire ça, comme ça on gagne, on reste à l'extérieur, c'est bien. Ouais, ça va, c'est parfait. On a perdu un peu de vie, mais c'est bien. On a 12 massettes, on va les garder. Là, ça fait 5, ça fait 6 à peu près. Il nous faut un peu plus de viande. Il faut un peu plus de viande pour dormir un peu plus longtemps. On va manger un petit steak. Les petits, là, 0,4. Non. Pardon. Ah, voilà, celui-là. Et à chaque fois, maintenant, on a des steaks à 880 calories. On peut en manger un et dormir. Mais honnêtement, je dirais de pas manger en entier parce que 880 calories, c'est beaucoup trop. Même là, si on le mange, on va dépasser les 10 heures de sommeil. Donc c'est pas vraiment méga utile. Enfin. Je voulais dire aussi autre chose. On a réparé les vêtements, c'est très bien. Je voulais dire aussi autre chose. Ah oui, la viande, si par exemple... quand vous faites cuire la viande, vous allez remettre 50% sur la viande, en fait. La détérioration de la viande, elle va être plus 50% en fait sur les pourcentages. Donc vous pouvez, à la limite, laisser la viande crue à l'extérieur. Et une fois que vous voulez la manger, vous la faites cuire. Donc comme ça, vous allez pouvoir durer encore plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va encore durer encore plus de jours que prévu. Mais bon, le problème c'est que bah, du coup, si vous voulez vraiment manger, bah, il faudra manger, il faudra faire du feu à chaque fois. Donc moi, je préfère la faire cuire, même si elle est déjà à 90%. Là, vous avez vu que les morceaux de viande, ils sont tous à 100%. C'est parce qu'on l'a fait cuire. Mais voilà, moi je préfère que ça soit tout prêt. Si jamais on est dans la mer, genre si jamais on tombe malade, qu'on doit être full en calories ou des trucs comme ça. Mais voilà. Pourquoi elle a un debuff? Est-ce que dans ton... Ah oui, d'accord. C'est parce qu'elle est fatiguée. Non, ça va, le debuff est... Elle avait un debuff en fait sur l'œil, hein, et je me disais c'est quoi, on dirait qu'elle est fatiguée, elle est plus fatiguée que la normale. Voilà. Ça se passe super bien.